Voilà, bonjour, bonsoir peuple congolais. Ça dépend de R pour l'endroit émission Oyo. Tout ça, moi, perturbation. Vous savez qu'ici aux États-Unis, les élections générales, les allélo, surtout élections présidentielles. En tout cas, je crois que les Congolais bazar qu'ont voté. D'ailleurs, j'encourage tous les bas Congolais bazar à New Hampshire. En tout cas, beau voter. Notre frère Samuel et puis Claude Mutima alias Baliangando azo luka comme député Awa donc on a tiki écoute une campagne bisika qui malheureusement on a suite tenté par qui n'a filmé bon mona n'est pas battre campagne na yé na bureau à vote donc en tout cas nous demandons à tous les Congolais vivant en New Hampshire. Ils allient l'élection générale. Bishkanyo soko kende na bureau de vote na yo. Ogomo na kombo na ye. Ils allient wana Claude Mutima. Vraiment, bande konanga. Biso ba Congolais. So boko sala moa. Exception wana. Yako vote ye. Et puis, il ne faut pas oublier de voter Samuel Bahouma aussi. Yepe azali candidat. Bo voter bango. Ça va faire de quelque chose de bon. Alors, je reviens sur notre sujet. On a ça la mingi n'est-ce pas vidéo oyo ezali ba concertation to ba consultation que tu le bazar ko ça là le deuxième jour oyo azo ko continuer ango il a réussi hier presque toutes les confessions religieuses mais il faut noter aussi na ba confession religieuse oyo ya maki l'absence totale de Sonny Kafuta ezala qui remarqué vous savez que Sonny Kafuta bazali na ba discorde na Yemoko Albert Kankenza qui était représenté même Muto Yemoko Kankenza Tchaki donc ça l'étiquette Kabila Tchaki Chulombo même Yemoko Deo ce qui dodo Kankenza Tchaki wana a été pas Chulombo Kankenza ne m'était pas représenté oh il paraît dans un voyage on ne sait pas donc Kankenza n'est pas là il y a beaucoup de gens qui se lamentent déjà une division de l'église de réveil à partir de Tshilombo comme président de la République. Bon, c'est grave. Bon, M.O.P. église de réveil en haut, responsabilité, tellement c'est question d'argent, question de bongo, bazolukambongo, on a pas poste. Alors voilà la division, ils ont déjà semé dans Katamboka. Mais ce sont les premiers. J'ai suivi l'interview, même mon journaliste, Sarakinaye Kakenza, interview. M'avait envoyé la vidéo, j'avais même posté ça sur ma page Facebook. Kenza qui niait de ne pas avoir mangé même un centime de Kabila, mais or que c'est faux. Bah, toi, on a l'embon à Kabila pour nous soutenir et si Kabila vendit 18 ans à pouvoir. Alors, bon, c'est pas notre sujet. Et question, monsieur Zali, 2 jours yango, concertation au Salama, consultation plutôt au Salama. Bon, mais habitez aux combien de jours? Awa Katumbi a le bien pour participer à Royal les 6. Les 6 Katumbi sera à Kinshasa. Bon, c'est une manière aussi de Katumbi de voir Kinshasa. Vous savez que depuis que lui il a quitté Kabila, le camp de Kabila en 2014, je crois 2013-14 comme ça, qu'il a quitté Kabila, il n'a jamais revu Kinshasa. Kabila bloqué par tous les moyens pour que Katumbi n'arrive pas à Kinshasa. Alors, je crois que peut-être c'est pour lui l'occasion parce que Zakolinga vendit sa parti politique na epena kin ya mwana Zakoya. J'ai écouté que Baloué Bengisi Batba qui nous yambaye plein aéroport, tout ça. C'est comme si on est au moment de la campagne électorale. Bayamba Katumbi, Babloque Bele Bele. Bon, on va voir la suite. Le 6, je crois, c'est quand? Aujourd'hui, c'est le 3. Donc, le 6, c'est samedi, c'est dans le week-end. Donc, il y a Okoma Kinshasa pour Yepe a participé à la consultation à Tshilombo. Il est le seul parmi les gens de la Mouka où ouvertement à l'objet qu'ils ont ça la participation. Jean-Pierre Bemba n'a pas dit un mot. Moujit n'a pas dit un mot. Fayoul aussi n'a pas dit un mot. Mais selon Batoua Fayoulou, Fayoul aussi veut commencer les concertations, consultations plutôt, selon Ye, Nandenge na Ye. Fayoulou parle bien Linga Bandango. Bah, PPRDP, Bango, Bazan, la consultation sur le Bango. Donc, vraiment, le Congo, dans les jours à venir, tu évites qu'est-ce qui va se passer. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est quoi tu l'as dit, après, fin d'ango, à Rosala, Nini. C'est ça la vraie question.
oh ba congolais baza komi tuna après consultation akosa la nini akodisu dans ensemble d'ailleurs ba uchu koyoka koné nanga alobi bien que bango baza précis Félix Tshisekedi décider aujourd'hui yako buka ensemble national wana ils sont prêts pour aller aux élections. Donc qui veut dire le kona toza na bureau ya sika ya sénité si Félix Tshisekedi a buki ensemble national. Dans la constitution du Congo, il est prévu que dans 2 mois, il doit organiser les élections. Ce qui a organisé en côté, il y a des gens qui ont pitié, qui ont été en tant que président de la République. Alors, Nangalobi, ils sont prêts pour organiser ces élections en cas où Félix Tshisekedi a sali dissolution de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà encore le problème où ils ont piège contre lui. Nangalobi, si ils ont déjà fait mandat, type psycho et baza causé là, ba mandataire ya sika, ya seni, ba kota na fonction pour élection va préparer kayango. Déjà, tu commis déjà 2 ans yango tu l'ombaza koya 2023 et akalamingi te tozo kota 2021. Alors, ba mandataire ya seni ya sika fou bazo ba piba siège, ba banda déjà ko travailler pour nous préparer l'élection 2023. Alors, soge komi bongote. Qui veut dire 2023, ce serait toujours Nanga, Corneille Nanga qui va organiser des élections parce que jusqu'à présent, on a toujours le mandataire et la sikate na seni. Ils ont déjà piège. Maintenant, on a vu aussi la présence, il y a Abento le Tomoni, Abento l'été, Conte Senko, Tomoni, Cardinal Mosengo, est-ce qu'il est venu au nom de la Senko? On ne sait jamais. Maintenant, plutôt Abento aussi, peut-être il était là aussi. Bango tu bayaki wana ba participer na ba séance de bango wana. Maintenant la question ezali bango tu ba memelier ba papier parce que la durée de l'entretien dure que 15 à 20 minutes. La durée de l'entretien eza ko dure 15 à 20 minutes. Ce qu'on a 15 à 20 minutes ba solo li nini ba memi ba faire des papiers na bino bo déposer bo pesani ba échange de paroles il y a 15 minutes 20 minutes bo bimi ba misu su ba koti. Alors c'est comme ça. Eza koleka na makambuana. Alors, moi je dois vous dire, mes frères, sincèrement, na ebite, pour ne pas sakibino déjà ba voie de sortie. Pour que Félix Tshisekedi forme une nouvelle majorité na kati en Congo, il faut à dissoudre l'Assemblée nationale, il faut élection ya sika et salama. Ba voter ba député à sika nde a komi la majorité nde siko soka lobi a former gouvernement mususu nde bisika ko yiko former gouvernement mususu sika. En dehors de ça, Félix Tshisekedi n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Oh, pour le moment, à dissous d'Assemblée nationale, qui vont faire les élections, c'est Koné Nanga. Or, aussi, vous devez savoir, pour que ba voter président SNI, ba vota ka est toujours dans l'Assemblée nationale. Bironio surtout à Seni et votamaka dans l'Assemblée nationale. Donc, qui veut dire, même Félix Tshisekedi Batutua Sakolinga nommé, tant que l'Assemblée nationale n'est pas dissous, le Sénat n'est pas dissous, Félix Tshisekedi Azo Lexa R à Pamba. Azo Lexa Labino R à Pamba. Parce que à dissous de l'Assemblée nationale, l'élo, il faut qu'on ait Nanga à organiser l'élection. Pour que l'on ait Nanga, parce que Biro a Sika Seni et Zate. Bonjour, on a schéma n'engazali, schéma est en ingwana. Donc, qui veut dire aujourd'hui il y a un problème très sérieux. Oh yo yo, tu vois quoi bater? Ceux qui l'élo pas dessus, donc ceux qui connaissent n'ont pas gagné l'élection. Vous croyez que bah vous pensez sur qui l'ont chance? Yangwana est singuli bon noté. Donc moi je pense que tu as bien dit à ma consultation là te, tu as bien dit qu'est-ce qui va se passer après. Mais la vraie question, je vous dis mes frères et sœurs congolais, vous devez noter que élection wana, ou bien consultation wana plutôt, il n'y a pas grand chose à espérer. Il n'y a pas grand chose à espérer parce que ça nous tourne encore à rond. S'il n'y a pas grand chose à espérer, vraie solution, c'est là qui, oh, Martin Fayulu, va proposer qui? Vraie solution. Bon, je me pose, si na loba na bino yango, on va voir, on va voir, on va voir, on total aye asala makambazo sala na Kinshasa po Katumbi azoyo katuro ayoka katuro kamitatu ayoka katuro ba Francis Kalombo ba endundu wana bangonde bazo pese ba conseil yangona nani Katumbi azako yoka zolanda. Je vais pas parler trop de Katumbi pour l'instant
Donc on a eu lobby à participer à la consultation à Chilombo. Veuillons voir. Lobby qu'on a besoin de pour quoi il Kabila. Ok. Veuillons voir à la fin de ces consultations qu'est-ce que cela va nous donner comme résultat. Donc je vous dis toujours que Katumbi est mal conseillé. Bon, au moins, on va après. Mais si on a le banan, nous tapons dans ma Katumbi. Mais attendons, à la fin de ces consultations, qu'est-ce qui va se passer? Et Katumbi positionne sur quoi, yo, ce qui tue l'ombre, si consultation a renommé Nani. Premier ministre à Congo, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Et, yemo razo e bate, oh, yazo semé le lo. Ça va lui rattraper dans les jours à venir. Katumbi azo e bate, que oh, yazo semé le lo na Chilombo. Ça va lui rattraper. Parce que, batutu ba yebi ke, si Katumbi est à Kinshasa, il va chercher à corrompre les gens de FCC. Mais tu éviter qu'est-ce qui va se passer. On va voir la suite. Donc gardons nos calmes, Nabiso. Moi, tout taquet, ma ambagatum, bimena misante. Tous les lendemains, nous assis sa consultation et puis on va revenir après. Mais je vous dis déjà, Nabi Sarabi nous avons toujours Katumbi est mal conseillé et mal entouré. On va voir la suite. Bah tu vas même aller qui a qu'un de vos kokangamena kasumbale. Ça car bangou ana bazo même aller qui ta consultation tu l'ombe. On va voir la suite. Maintenant. Fayou la lobby yazo banda consultation. Ah, bon. Quand moi je. N'a évité ce qui n'a quoi encourager Fayou la salayango. Mais je pense que. N'a n'engue bakoutana qui déjà n'a sassou. N'a évité ce que sassou a dit. Bon. Pour n'a 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 en course avec Chilombo. Moi, je pense que Martin Fayulu doit garder son calme, laisser Chilombo faire son aventure. Soga silici, mais peut-être Martin Fayulu à cause de la décision à Koloba, peut la route à quoi il tracer. Parce que pour l'instant, soit Martin Fayulu a bandit sous consultation de son côté, et au Maloko la guerre Moroboye, et au Père sa bienté, ça va pas bien donner dans le pays. Je pense que Martin Fayulu doit garder son calme. Azela Fayou, Félix Asilisa, et le gazo sala, ba Congolais tout ba mona, et se vous allez réussir, et vous allez échec. A partir de là, Fayou le mena pe, n'est-ce pas dire un mot, ou bien akolo ba peut-être, asale loko boy ba sala boy. Pour l'instant, je préfère, je préfère que Fayou garde son silence, garde son calme, en attendant les bêtises que tu l'as fini, et puis, yé akolo gozoa, peut-être idée akolo sala makamosus. Voilà un peu ce que nous avons dit sur ces consultations. Moi, je vous ai déjà dit, ça ne sert à rien de compter sur ça parce que. Tous les gens qui ont été en train de se faire, Kabila zo talaga na musika zo sika boye. Ah, mwana mobali wana. Azo kompa. Bon, lui-même aussi, a zu ya, de quelque part, Kabila pas zu ya, parce que, à vouloir trop gagner, on risque toujours de perdre. À vouloir trop gagner, on perd toujours. Kabila crie que non, en donnant Félix Tshisekedi le pouvoir, à cause de la protéger. Il était protégé sous l'abri. Mais maintenant, aujourd'hui, Kabila regrette même pourquoi, qu'est-ce qui lui a poussé de faire ça. Bah, il y a conseiller na tout autour na bah, il y a oh, ça le regretter en mais il y a bah, non, il y a glodo et le moment où comme il a été, il regrette, il paye le prix aujourd'hui, il paye le prix. Donc de quelque part aussi, Kabila Zuika, c'est bien pour lui parce que naïvité na les cas qui trop jusqu'à à tripatrier les résultats des élections en croyant que tu étais sous l'abri. Aujourd'hui, voilà, on a sous l'abri, au moins il n'y a pas risque comme il a eu. Au comme il est là au tinda batu nos consultations benga batu ba jiré fidélité panayo nous surtout en ezanini parce que tu n'as pas voulu que non ba vrai résultat est à la proclamer ce qu'on négocia qui n'a eu bien à Fayulu ce qui les lobo sola qui bien à Fayulu mais le peut-être le ngoza nayo au vani nayo mutu pas occupé ote mais au lundi le enge au sinise fait mino moko pena la mise na mino ozomo na keno mutu a outi na Genève a wangani. Oh non, si on a dit qu'on n'a pas de bisous, ok. On est là, on a cheminé vers petit à petit. Tu as évité qu'est-ce qui va se passer. Tu as dit qu'il n'y a pas de bâtiment, tu as dit qu'il n'y a pas de bâtiment. Tu as dit qu'on a fait ceci, Sili. Et Sili. Donc les gens là, ils ont pris leur décision. Selon ma soupçon, ils sont soutenus par les Américains. L'ambassadeur américain, ils sont soutenus. Il ne faut pas oublier aussi l'ambassadeur américain où tu as tweeté.
Alobi pour lui, il pense que Félix Tshisekedi a commis président de la transition. Néanmoins, ce qui va sortir, ce qui est solution comme il y a la consultation, peut-être transition. Félix Tshisekedi n'a pas failli la proposer qui sorti de crise et tigali n'a. Mais croire que non, il y a un petit cas là, il y a un petit cas là, peut-être transition, l'Assemblée nationale est quoi, le Sénat est quoi, le bureau non s'enseigne est quoi, tu as dit transition, soit il y a deux ou trois ans, il y a un petit cas là, le président de la République, tu as sali majorité, tu as quelqu'un dans le bureau, tu as dit que tu as réformé le bureau qu'on a pour toi l'élection bien en 2023 ou bien 2024, on ne sait jamais. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais, on a ce peu de temps pour. Kabila vula trop gagné au moni ndenge sukelio au moni ndenge komi ko lela na munoka mboka au moni ndenge ni ozoe baté positionni no ko tele manango au komi ko batatoné gauche à droite ao tout ça que l'homme sème il émotionnera même Chilombo le vol qu'il a réussi de Kabila un jour il finira pas toujours par le payer il finira par le payer le bien mal à qui ne profite jamais au ko don do lelo don du lobby mais suka suka. Alors pour clôturer, binonyo soba tu commande la vidéo oyo, et ça recirculer déjà dans les réseaux sociaux. Et ça la moi m'atmakelele ba conseiller à Chilombo. Ba yoki si yemo ko sonya ko sakana te mes frères et sœurs. Binomo aussi bon mon conseil ba conseiller à président. Tala makamba conseiller à président ba zo sala. Félix Tshisekedi azo solo même na cardinal Mosengo. Ces conseillers-là, s'il vous plaît, bazo beta la bango masolo na bango na mopanzi. Et puis, toujours kaka bango. En même temps, Félix Tshisekedi azo sala entre na étant que président de la République. Ces conseillers-là, c'est comme si bango ni était président de la République. Aye a telemi son directeur de cabinet debout. Ba conseiller wana bazo beta masolo na bango, il fallait que ba signaler bango pour ba telema. Quel sabotage, quel mépris! Mais ce qu'on a dit, c'est que mi balé wana bande qu'on a Félix Tshisekedi à Kassai. Bande qu'on a Félix Tshisekedi à président tribal. Je ne cesse de le dire. Félix a président le plus tribal que le Congo a connu. Le président le plus tribal que le Congo n'a jamais connu, c'est Chilombo. Les preuves sont là. Même aux nominations où tu consales dans l'Union africaine. Même si tu as l'Union africaine, a même le tribalisme dans l'Union africaine. Chilombo. Très dangereux, mon amour, mais on a une monnaie liée, boy, donc, n'a eu pénal la vie, n'a habité Félix. A bangi singa mabe, un tribalisme, Félix a bangi singa mabe. Tala batunae, oh, bazo saboté, ba pire massané, ba bétané, ba chèque, ba pire massané, bazakané, la Belgique, bazo saboté, même la quatre réunion, azo yamba batumetra, bazo soranaban. Sore Zalaki, directeur de cabinet, on a moutaban d'ungas à la Ningwana. Mais chanson ni les talibans balinga gababi même ici le lombe longo mon marche salami na Kinshasa pour nanini mutaban dundwa na za directeur de cabinet a manqué fachi respect mais le moni talibans basali marche basali même Augustin Kabuya mbela bengi même matinée politique pour nabalo bandenge nini mutaban dundwa na za directeur de cabinet à Félix a manqué Chilombo respect mais bon tala baluba bango moko ne bazo manqué Chilombo respect tala bango moko batakasai Chilombo basali bango nini rien. Et puis, on a bomoni on a la TV. On a bimi la TV. Et je crois que Félix Tshisekedi a salangou exprès. Pourquoi salangou exprès? Parce que Batouana a bazan habitude à consala rango trop. Donc, Félix Tshisekedi a salangou na valeur et télibosion à bango. Donc, bazo considérer les gars locaux à bande go betane ba chèque na Belgique. Azala ki master à bande go bande go salane ba mafia. Donc, bazo considérer les gars n'engue moko bazo mon égoutou donc on dirait présidenté. Mawa trop peuple congolais, les images pareilles, ça suki dans le monde. Mais bazo mitouna mitouna, mais qu'est-ce qui est symptôme? Il est vraiment président ou quoi? Ah, Chilombo! Bato bazo c'est la paix sanction. Le quoi la baza ba ben en pouka. Total la soki Chilombo ou paix sa bango sanction. Total la soki Félix a longo la bango. Pour ce que zala ki moutaban dundouana ou azali directeur de cabinet, mais le bonga bon monde en débanga benganaya. Même le directeur de cabinet ouana à Félix moutaban dundouana. N'a pas de parole devant Félix et devant les conseillers là de Chilombo. Le directeur de cabinet là, je vous assure, n'a même pas de parole devant Félix et plutôt même pas devant Félix mais devant les conseillers de Chilombo. Bah respecte ka écoute bah considère ka écoute. Donc ma watro, je vous assure, peuple congolais, donc grave. Voyons voir
ce qui va se passer, toi, qu'est-ce qui va se passer, ceux qui tirent en bas, on paie sa sanction ou bien pas. Merci beaucoup.